Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktubing pour le prix littéraire Lire dans le 20e. Ce soir, je vais présenter un livre de la sélection Roseau qui s'appelle « Attends qu'Hélène vienne » de Marie-Anne Donning. Marie-Donning-Anne, en fait. Et donc, c'est l'histoire de Molly qui déménage avec toute sa famille dans une ancienne église. Mais sa famille, elle est un petit peu compliquée. Elle déménage donc avec son frère, sa mère, le nouveau mari de sa mère et la fille de son père, Heather, qui est une petite fille très en colère parce que sa mère est morte quand elle était toute petite. Heather's been through a lot for a little girl her age. Hi. I just need you to be the big sister. Mais dans cette nouvelle maison, ça va devenir de pire en pire parce que ils habitent juste à côté d'un cimetière. Et un jour où Molly est en train de se promener, elle aperçoit sa petite sœur Heather en train de parler toute seule. Et quand on va lui poser la question, Heather va dire qu'elle est en train de parler avec Hélène. Et tout le monde pense que c'est son imagination. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Elle va se mettre à menacer sa famille et vous pouvez l'imaginer, en fait, vous avez une histoire de fantôme. There's a ghost outside the house. Who are you talking about? Helen. Et c'est absolument terrifiant. L'ambiance est cauchemardesque. Bon, vous avez déjà un cimetière, donc ça n'aide pas beaucoup à être en confiance. Et les personnages sont très bien écrits. La petite fille, Heather, déjà, elle fait très peur dès le début. Mais alors quand elle commence à parler à des fantômes... tout va bien. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Donc vraiment, je vous le conseille. Essayez de le lire quand il fait jour. Avec une tasse de chocolat chaud et tout se passera bien. Les fantômes, ça n'existe pas. N'hésitez pas à voter pour votre livre préféré dans les bibliothèques qui participent au prix littéraire. Mm-hmm.